Bah du coup ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'on a des splits nous en deux parties. Et ça fait depuis cette saison que Salomon nous a prêté un peu en test là pour avoir notre avis sur le sur la 4 parties. Voilà, aujourd'hui test de la 4 parties en condition réelle. Les caractéristiques, ça fait 157 il me semble. 157, ça fait 90 au patin, donc en position montée, ce qui est à peu près le ski de rando classique qu'on peut trouver aujourd'hui, bon, sauf celui des compétiteurs. Et au niveau poids, ben, globalement, quand on a la board, les fixes, les pots, les couteaux, c'est exactement le même poids qu'une board classique. En deux voilà, parties, ouais. En deux parties. J'espère qu'il y aura une deuxième taille, un peu plus grande. 37 c'est bien, un peu plus long, pourquoi pas. En torsion ça va bien, on a remarqué, bah on a vu en pente aussi que ça passe de partout. Non, c'est bien, c'est un super compromis pour celui qui veut aller un peu plus loin avec sa splitboard, quoi, qui a besoin de faire un peu des distances et voilà, quoi, faire des plats avec et pas monter que sur des petits trucs ou des petites randos, ouais. Non, finalement, tu vois, elle va bien cette planche.